ce jour, nous rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles dont il nous a comblé durant cette année de postulat et pour le don de vocation de chacune de nous. Dans sa parole, Jésus nous dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Pour la suite de notre formation, nous voulons suivre le chemin que Jésus trace pour nous et sur les pas de Don Bosco et de Marie-Dominique. Maintenant, vous demandez à être initié à la vie religieuse des filles de Marie Auxiliatrice. Je vous exhorte donc à exprimer devant toute la communauté les motifs qui ont fait mûrir en vous votre demande. Nous voulons répondre à l'appel de Dieu dans l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice pour suivre Jésus-Christ, chaste, pauvre et obéissant, en donnant notre vie pour les jeunes. C'est pourquoi nous demandons d'apprendre à connaître vos constitutions et à en faire l'expérience avec vous, aidés par vos paroles et par votre exemple. Que Dieu Père
qui a suscité en vous ce désir le porte à son accomplissement. Amen. Avec la remise de cette médaille, signe d'appartenance à l'Institut, nous confions votre route à Marie. Qu'elle soit pour vous mère et auxiliatrice. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir la provinciale d'Angola. Conservera en vie éternelle.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le globe. Il représente pour nous cette unité de plusieurs cultures que nous sommes, mais qui est un, parce que notre foi est basée sur le Christ, Jésus. Il est notre modèle sûr et vrai du don total par amour. Ces symboles nous engagent à l'unité dans le Christ avec nos différences. Ensuite, il nous invite au détachement, à l'ouverture aux autres, à la disponibilité, à l'écoute de l'Esprit Saint et surtout à la charité qui se traduisent aux éléments de croissance dans la vie à laquelle nous aspirons. Bénissons du Seigneur. En particulier la mère générale,
nos provinciales et pour chaque fille de Marie Auxiliatrice. Comme l'aide de ton esprit de sagesse, de service et de bonté. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les jeunes, en particulier ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie, afin que, touchés par l'action de sages éducatrices, ils aient le courage de répondre généreusement au don de ton appel. Prions le Seigneur. Nous te prions pour nos parents, en particulier pour ceux qui traversent les moments difficiles, afin que toi seul, tu puisses les combler de tes grâces et leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. Père, écoute-les. Nous te prions pour nous-mêmes. Donne-nous d'être les témoins de ta présence d'amour là où nous vivons. Père, écoute-nous. Alors nous sommes très contentes et nous rendons grâce à Dieu pour les vocations. N'est-ce pas? Oui. Pour les vocations. Parce qu'il y a d'autres congrégations, il y a des sommes. Mais nous avons chaque année, chaque. Et puis demain encore, la confession. Et puis après demain, l'évêque perpétuel. Alors nous devons rendre grâce à Dieu pour ces dons de vocation. Et remercier aussi les parents. Il y a des parents, des mamans qui sont avec nous. Alors nous rendons grâce. Parce qu'il fait pour nous, pour que nous puissions cheminer avec le Christ. Ici, vous avez dit, en demandant, vous nous demandez de connaître vos constitutions, la vie communautaire. Puis vous avez demandé beaucoup de choses, hein? Alors, c'est une responsabilité. Responsabilité à nous de vous faire connaître nos constitutions. Les constitutions, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous allez connaître les constitutions et confronter ces constitutions avec la parole de Dieu. Vous allez faire l'expérience avec nous. L'expérience de la vie communautaire. Et dans l'institut, il y a les noviciats. Parce que vous avez demandé à être initié à la vie religieuse. Et nous avons les noviciats exprès. Et partout, dans le monde entier, il y a les noviciats. Et nous sommes contentes, les noviciats et inter. International. Ok. International. 4 provinces. Quelle beauté de la diversité. Et ici en Afo, la maestra, c'est sœur Auxilia. N'est-ce pas? Vous la connaissez? Non, hein? Vous allez la connaître. Soyez patiente. Alors, la maestra, c'est son travail. C'est son travail de vous aider. Si je vous demande, mes chers novices, de profiter ces 2 ans. Vous voyez, dans 2 ans, comment peut mettre au monde de l'enfant dans 2 ans qui peut marcher, non? N'est-ce pas? Pour qu'après 2 ans, on a des braves FMEA. C'est ce que nous attendons. C'est ce que les provinciales, sœur Bernadette, sœur Lynn, sœur Grâce, nous attendons les sœurs debout, les FMEA debout. N'ayez pas peur. La sœur est là, elle va vous aider. Alors, vous êtes pressés, Je vais appeler vos sœurs Auxilia.
ça on va confier. Nous représentons les deux provinces de Madagascar et de AEC, notre jumelle. Sœur Auxilia, nous te confions encore une fois les belles novices. Vraiment, elles sont disponibles, toutes joyeuses, de commencer à cheminer avec vous. Merci beaucoup et bon travail. Merci à la sœur. Son nom, le nom Auxilia signifie secours. Secours. Aide. Aide. Alors, elle est pour vous l'aide, pour vous prendre. Vous voyez comme elle est forte. Alors, je peux prendre, non? Oui, oui. Je peux prendre. Un champ.